Le matin du 11 mai, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Je me suis dit, ma petite Sylvie, faut te secouer. C'est aujourd'hui que ça se passe. Je descends sur le boulevard sans retard pour voir s'il y avait du bazar. Et sur le champ, je suis contrôlé par un agent. Alors j'ai dit, on va pas toujours rester confiné. Il faut bien qu'on refasse société. On va pas toujours rester enfermé. On risque de devenir tout cinglé. Si tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc, faut qu'on travaille. Sinon plus tard, quand le Covid reviendra, ma parole, on s'en remettra pas. Jour de la fête du boulot, mon poteau, je suis allé sur les réseaux sociaux, où l'on trouve des bêtisiers vrais de vrais, des pépites de première. Alors on s'est réunis sur WhatsApp, on a eu l'idée de chanter, oh là là. On a compris que ça faisait de la cacophonie. Alors j'ai dit, on va pas toujours rester confiné. Y a plein de fêtes programmées pour l'été. On va pas toujours rester enfermé. On a vraiment besoin de s'aérer. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse incroyable. Donnez les masques, sortez les tests. Déconnez pas, ou sans un prochain coup, ma parole, on confie plus du tout. Quand il y a une allocution de Macron, on est tous devant la télévision. Après avoir applaudi à 8h, les héros du labeur, il y avait quelques élus qui contestaient l'état d'urgence et les nouveaux décrets. À l'Assemblée, Mélenchon se met à râler. Alors j'ai dit, on va pas toujours rester confiné. Les mômes doivent retourner à l'école. On va pas toujours rester enfermé. On déprime les temps qu'on rigole. Si vous flanquez les suspects en quarantaine, il va pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on sort. Et puis on est descendu sur les champs, et là-bas c'était épatant. Ce qui prouve qu'en respectant les consignes de Véran, on peut finir par obtenir le déconfinement.